السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم بغيت ندير معكم أول درس هو في الحق تاني درس أول درس يكون شفاهي مع الأستاذ يعطي لكم يعطي لكم فيديو تشوفوها على اليوتيوب ولا هو يروي لكم قصة يروي لكم قصة ويسقسكم يقول لكم غولف لي بيرسوناج الشخصيه هذوك هذا ومننا بون ثاني درس هو كومبريانسيون دو ليكري اللي غادي نشوفوه اليوم كومبريانسيون دو ليكري هي فهم النص يعني ماشي حصه تاع قراءه سوني با اون سيونس دو ليكتور لا هو نص تقراه تحضره في الدار ايا وكي تروح للقسم الاستاذ يسالك اسئله يقرا تقراو مره واحده النص الاستاذ هو اللي يقرا النص ولا يطلب من بعض التلاميذ يقراو مقاطع وبعد يسالكم اسئله على هذا النص داكوغ دونك حنا غادي نقراو اليوم غادي نديرو هاد الدرس بالتحديد كومبريونسيون دو ليكري تبعوني الوغفان كومونسي قبل كاع ما نقرو النص نفكركم كنقول لك كالي لو تيتغ دو تيكست Voilà le titre du texte. Un bûcheron honnête. Si je te dis qui est l'auteur de ce texte L'auteur Donc l'auteur c'est Nata Caputo. Qui D'après Nata Caputo, Nata Caputo c'est le nom de l'auteur. Et la source, c'est-à-dire le nom du livre ou bien le nom, euh, c'est-à-dire là. Euh, le Minjibna, le la source, voilà, le Mazdar. Conte des quatre vents, et d'ici on attend, page 47. Mohadiya, la source, ok? Conte des quatre vents. Alors, on va commencer par lire le texte, parce que la lecture est très importante. On doit lire correctement le texte. La lecture, D'accord? Un bûcheron honnête. Bûcheron, c'est cet homme-là. On appelle ça un bûcheron. D'accord? Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Un jour, sa cognée se détacha du manche. C'est ça la cognée et c'est ça la manche. D'accord Plouf Elle tomba dans l'eau. Il se mit à se lamenter. À se lamenter, c'est-à-dire, euh, il se mit à pleurer. À pleurer, à pleurnicher, voilà. Cognée Ma vieille cognée Que vais-je faire Tout à coup, surgit un, un petit vieux à la barbe blanche. Voilà. Tout à coup, un vieux, un vieil homme, surgit. Il avait une barbe blanche. Voilà, une barbe blanche. Qu'as-tu à te plaindre ainsi lui dit-il. Donc là, c'est l'homme, le vieil homme, qui pose une question au bûcheron. Il lui dit, qu'as-tu à te plaindre ainsi C'est-à-dire, pourquoi tu es, tu es en train de te lamenter, de pleurer. J'ai perdu ma cognée. Je suis trop pauvre pour acheter une autre. Attends, je vais aller la chercher. Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il. En montrant une étincelante cognée d'or. Non, ce n'est pas ma cognée, dit le bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandit une cognée d'argent. Argent, maneta une cognée ta Celle-là. Non plus n'est pas la mienne. Le vieux plongea de nouveau. Il revint, tenant la cognée de fer du bûcheron. Fer dit Ah, quel bonheur Tu as retrouvé ma vieille cognée Oh, merci, mon frère donc là, c'est est le bûcheron qui est, qui est en train de parler avec le vieil homme. Le bûcheron serait, se préparait à rentrer chez lui. Une minute, pardon. Oui, le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Tu es un homme honnête, Prends aussi ces cognés d'or et d'argent, d'or et d'argent, d'argent. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. Hadin qu'on le dit comme tanné. Monde de l'aujourd'hui, Hesh le le l'habite et sa famille vécurent vécurent il y a le verbe vivre au passé simple, d'accord? Vécurent heureux à l'abri du besoin. Ça m'a Hesh ou soit qui fait chier le plus à l'abri du besoin À l'abri du besoin, c'est à dire عاشو في في بعيدا عن الحاجه وعن الفقر وكاع علاش غراس او كوني دوغ اي دارجون باين باعوهم ولا حاجه كيما هاك فوالا ميتنو فاي سي دو ريبوندر ا كالك كيسيون شوفوا هنا انا انا علاش ما voilà. ترجمتلكمش <applause> النص قادرة نترجم النص حرفيا وقادرة نترجم الأسئلة تاني حرفيا باللغة العربية ونجاوب عليهم أنا هدفي أنكم أن الأطفال تل التلاميذ يقولوا يعتمدوا على أنفسهم ويقولوا يعرفوا يجاوبوا حتى في غياب الأستاذ أستاذ اليوتيوب خاصة أه ما نش بغيتكم تكونوا معتمدين عليا أه صديقة كون مثلا أنا لو كان لك هذا لو بيشغون أونات ونترجم لك الأسئلة نتايا لو كان الأستاذ في القسم يجيب لك ان اوتر اخر غادي تغرق نهار الفرد تاني غادي تغرق دونك انا ما نعتمدش على الترجمه انا ماذا بيا نوري لك الطريقه كيفاش تولي تعتمد على نفسك ونخاطب الامهات تاني ماذا لي اللي راهم يسمعوني يعلموا نفس الطريقه لابنائهم دونك نوري نحاولوا دروك نفهموا لا كيفش مخدومه كيفاش يقولوا بون باركيل باركيل expression comment cette histoire donc شوفو حنا كل خطره نفهموكم نتوما ماشي كل خطره تقرا الاستاذ يترجم لك اكتب عندك دير هكا ان بوتي كارني ان تو بوتي كارني و اكتب فيه هذا قاموسك الخاص عقل على هاد لا لي كيسيون كون كومون بوكو كمبيان كو فهمتو باغ زامبل اكسبرسيون هي عباره ماشي انا كل خطره نقول لك عباره اكسبريسيون عباره الا قالها لك الاستاذ تكون عارفها دونك هنا غادي نحاولوا نفهموا هاد لا كيسيون اون دووا لي مو كلي الكلمات اللي تعاوني باش نفهم لا كيستيون. انا على بالي بلي راني نهضر بزاف وكاع بصح لمصلحتكم بار كيل اكسبريسيون كومونس سيت دونك نعاود ما فهمتش نعاود نقراها ما نقراش الاستاذ يترجم لي

le texte commence par il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, il y a longtemps, on n'appelle pas ça un, un mot. Il est composé de plusieurs mots. Ok Donc, on appelle ça une expression. Donc, je vais répondre. Je vais dire ce texte, cette histoire. Cette. Attendez. Pardon. Cette histoire commence par il y a longtemps. Voilà la réponse. Avec ton camarade, complétez le tableau. Donc, vous devez compléter le tableau. Compléter, c'est-à-dire tout Compléter, ça veut dire un OK. Donc, ce tableau est composé de trois colonnes. Regardez. Dans la première colonne, on doit complété par les personnages du texte les personnages c'est un d'accord les personnages c'est y a écrivez ça dans votre carnet où se déroule la scène où se déroule la scène كما قلت لكم داك النهار كاين تلاميذ متشائمين هو فهم او بصح يروح للحاجه اللي ما فهمهاش يقولك او سو ديغول لا سين صعيبه بزاف هاد لا كيسيون قال غي او هذا ما كان ماشي قالك حاجه كبيره داكوغ دونك اون فوا تفهم كلمه من هذاك السؤال سي بون ماشي شرط حنايا ما راناش اجانب نتوما ما راكمش اجانب راكم تدرسوا في لغه اجنبيه كون سو ديغول لا سين كون كتسيب كون معناتها متى عقل عليها مليح 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 ما نضش نهضر لي بيرسوناج هما الشخصيات او المكان كو كو متى وينتا داكوغ صح اي يقولوا لي تشوف لي بيرسوناج دو تيكست ديجا لو كان كاع ما قريتش راهم سور لا فوتو إيسي هنايا Sur la petite image. J'ai adna, na, adna. Il y a longtemps, je vois les personnages. Le Qarom fait les personnages principaux. Le chasseur et le chasseur le Qarah fait la première partie du texte. Ça a fait que je dis quoi voilà La première partie. Raat li alabekou. La première partie. La première partie. مرحله الجزء الاول من النص دونك uh, كيما شفتوا نتوما ديجا راكم عارفين باللي النصوص بالعربيه القصه بالعربيه راكم ديجا درتوها في ال... تعرفوها ديجا من قبل في الابتدائي ودرتوها سنه اولى متوسط القصه متكونه من تكون من... من ثلاثه تاع لي بارتي ثلاث مراحل سي لا ميم شوز اون فرونسي اون فرونسي اون لا سيتواسيون uh, انيسيال اللي هي uh, المقدمه وعدنا لي زيفينمون اللي هما الاحداث وعندنا لا سيتوياسيون فينال اللي هي الخاتمه صح دون لا سيتوياسيون انيسيال انتوما في هذه الوحده في هاد لا سيكونس نيميرو 1 غادي تقراو غير لا سيتوياسيون انيسيال داكور صح دونك على بالكم نسيت كاع شكون وين كنت Euh, bon connais les personnages un truc comme le bûcheron il il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron ça a hennaia peut-être tu ma ma rappelé tu as déjà le personnage c'est la forêt la forêt est là-bas mais je m'empêche de connaître un personnage c'est-à-dire henna a le personnage c'est le bûcheron Wendy aussi après quand tu vas lire tu vas trouver Là, comme à Grenoble, c'est un vieil homme à barbe noire, d'accord Donc, il est, est a la, la, la première partie du texte, Il a Talgrey, le premier paragraphe. Ra le bûcheron. Oui, bûcheron. Il a un le le bûcheron et le vieil homme à barbe, à barbe noire, <coughs> eh, barbe noire, barbe blanche. Alors, un petit vieux à barbe blanche C'est pas le deuxième paragraphe. Bon que vais-je faire Tout à coup surgit un petit vieux à barbe blanche. Voilà. Donc le personnage principal c'est euh, le bûcheron ou on dit aussi un petit vieux à barbe blanche. Un petit vieux. Petit chien un race grèce. Caser. Un petit chien de race Cher Kasser, c'est le cas. Parce que quand il me fait un choucou, je lui dis petit vieux. Cher Beni Ousrer. Bon, écoutez. <coughs> Où se déroule la scène? Où est-elle mec? Tenez. On a le premier paragraphe. En général, le premier paragraphe, quest fait? Le lieu, les personnages, tout. Ça, il y a longtemps dans une forêt. Voilà. Donc, là, le lieu hna sur l'image et aussi dans le premier paragraphe. La forêt. Voilà. Le rabat. Où se déroule la scène La scène se déroule dans la forêt. Quand se déroule la scène Quand Oui, t'as dit. Il y a longtemps. Déjà, j'ai fait l'expression il y a longtemps. Ça veut dire que cette histoire s'est passée il y a très longtemps. Filmardé, il y a longtemps. Ça <coughs> Z. Troisième question. Que faisait le bûcheron dans la forêt Quel outil utilisait-il Donc, on va, on va se concentrer sur la première partie de cette question. Que faisait le bûcheron dans la forêt Faisait <troustic> c'est le verbe faire. chez canidir mada mais Que faisait que à l'heure lia rien mais dans. Que tu le Que faisait le bûcheron dans la forêt. Que faisait le bûcheron dans la forêt. N'a comme le, le secret c'est la lecture relire lire et relire et relire Il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché Donc qu'est-ce qu'il faisait dans la forêt il coupait il coupait du bois Quelle la deuxième partie de la question quel Outil utilisait-il? Mariel Adetlati Canestre des Moires. Alors, quel est l'outil qu'il utilisait? Il, il attendait. Il, il utilisait cet outil. Comment on appelle ça? Donc, c'est une hache. On peut dire aussi une cognée. D'accord? On va pas dit que j'ai tu On pas une une hache parce que ma hache est écrite dans le texte. Donc tu vas dire utiliser une cognée. Il utilisait sa cognée pour pour couper du bois. Quatrième question. La cognée est la partie en bois par laquelle on tient la hache.

brillante ou bien bruyante. un haut, minel-assan, en dans le dictionnaire, ou thawus ou étincelante. D'accord Coupante ou bien brillante ou bien bruyante. Bon, Donc, étincelante, c'est c c brillante. Tellement. D'accord? 6. Le bûcheron revint au village avec sa cognée de fer et une cognée d'argent, sa cognée de fer et une cognée d'or, sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Non, tu as la dernière partie, là, il. Il, il revint. Le le verbe Faites la question. il Attendez. Où il Il. Il, c'est le bûcheron, d'accord? Il revint. Revint C'est le verbe revenir. Donc il revint tenant la cognée de fer du bûcheron ob de le vieux il revint tenant la cognée du fer et du bûcheron prend aussi ses cognées d'or et d'argent donc c'est un piège il revint tenant la cognée de fer du bûcheron parce que c'est le vieux c'est pas le bûcheron la question chez le bûcheron revint au village donc le bûcheron quand il est revenu au village Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela tu es un homme honnête Prends aussi ces connierss d'or et d'argent d'accord Donc le bûcheron revint revint à la maison avec toutes les cognées, la cognée de fer, la cognée d'argent et la cognée d'or, c'est-à-dire la réponse C. Ok? Le bûcheron a été récompensé. Pourquoi? Récompensé, ça vient du mot du nom récompense. Compenser ya a isa. Néla, j'ai Isa. J'ai Isa, j'ai j'ai avec le vieux. Pourquoi Ou elle est la cognée d'or, et la cognée d'argent, et la cognée de fer. Normalement, il y a la cognée de fer. Pourquoi Parce que, parce que la, la réponse se trouve dans le titre.

أو نت لأنو كان صادق، جازه واعطاه عطاه لي تخوا كونيي. إذا غادي شفنا الصفحة الموالية، لاباج السابعة، باخكي أخر مو، أتندي تاني رحتلي هاذيك لابوس، إذا قلنا باخكي أخر مو و إكسبرسيو ممكن تربط لي إليا لونتو، إليا هي كان يا مكان كيما كان يا مكان، إذن هذه هدي... Par quoi on peut la remplacer Bimada, yumkin, Donc, il y a beaucoup d'autres mots. les les autres textes, Donc, kain, il était une fois, jadis, il y a bien longtemps, autrefois. Donc, tum, kye, ou, chufu, les réponses. La deuxième question avec ton camarade repé, repérer puis lisez le début de l'histoire. C'est-à-dire que naghlaq tarf Bid al bidayet al-issa karouch. Dans le bidaya, il y a bien longtemps, marché. marchait. Le début de l'histoire est maintenant. il y a longtemps, laissez la formule d'ouverture. Jusqu'à marcher. Dans le début de l'histoire, dans la situation initiale, qu'est-ce que vous allez trouver La formule d'ouverture. Vous allez trouver le lieu. Dans une forêt, ça, c'est le lieu. Et vous allez trouver le ou bien les personnages. D'accord Vous allez trouver aussi euh, le, le verbe, un verbe, bien des verbes à l'imparfait. ça couper c'est le verbe couper e r à l'imparfait euh, et là c'est le verbe vendre là c'est un verbe de premier groupe là c'est un verbe de troisième groupe couper vendre ce sont deux verbes conjugués à l'imparfait donc tu fécro la situation initiale je fais la formule d'ouverture le lieu les personnages et les deux verbes euh, les verbes à l'imparfait voilà donc tu te d'amener ou, quel ou qui D'accord? On va passer à la euh, troisième question. Le vieux replongea et reparut aussitôt. Aide la phrase. Radin kawhaf la deuxième partie du texte. Le juste est tani. Mais, mon nas, En français, c'est les événements. Les événements. Ok? Saha. Un nom. Donc, comment appelle-t-on le mot en gras dans cette phrase Quelle est la nature de ce mot Replongea. Quelle est la nature de ce mot Est-ce que c'est un verbe Est-ce que c'est un nom Est-ce que c'est un adverbe C'est un adjectif Quelle est la nature Je suis adjectif, ce n'est pas la nature. Bon. Replongea, c'est un verbe. Il est conjugué à quel temps Tu moi, je touche à le temps Auparavant, mais je touche ma belle à. Ah. La terminaison a. Heda, c'est le passé simple. Nastemlo, dans les textes narratifs. Donc, je la situation initiale. Je l'imparfait ou les événements en général le temps utilisé. C'est le passé simple. Fehdet, nastemlo, le passé simple. Donc, tu la séance de conjugaison. dit tu fais l'imparfait ou tu le passé simple tu l'imparfait parce que tu la situation initiale. Comment appelle-t-on le monka Comment était le bûcheron tu vas relever les adjectifs. Comment Comment il y a que Le bûcheron, il était comment Quels sont les mots qui le montrent Donc, tu vas revenir à ton texte et tu vas essayer de trouver il y a longtemps dans une forêt un pauvre Bûcheron. Comment était le bûcheron Il était pauvre. Donc, pauvre, on appelle ça un adjectif. Donc, c'est comme une révision. Je Combien de cognées y a il De quelle matière sont-elles faites Combien Combien y a كم قلنا هضرنا وعاودنا قلنا الا تكتبوهم دير قاموسك الصغير قاموس الجيب وكتب هاد الكلمات وحفظهم بالعربيه كومبيا هي كم كومبيا دو كونيه ياتيل تيل دون لو تيكست كي تقرا تعاود شوف شحال كاين من كونيه دونك كاين اون كونيه دو فير هذيك تاع لو بيشرو ابري لا كونيه دور ابري لا كونيه دارجون سي دير اون ا 3 كونيه دو كال ماتيير من اي ماده رانا ذكرناهم ديجا عندنا لا أه... لا كوني دو فير اللي هي أه... لا دو دو عندنا لا دارجون اللي كي كنا نشرحو قلناها ها هي لا كوني دارجون وعندنا كوني دور داكو وعندنا لا دو فير وراها راها هنايا كلك بار داكو صحه

tu vas souligner tous les verbes, ok, okay. on nous allons le connaître, nous allons, je vais vous dire, les verbes, tu vas les souligner, et tu vas trouver leur infinitif. Tu cherches l'infinitif de ça. Quand tu cherches l'infinitif de évidemment, évidemment, ensuite, quand tu trouves l'infinitif de ça, tu les les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. داكوغ الا درتو لي هذا العمل هذه الخدمه نعاود ندير لكم كورت فيديو فيديو قصيره فيها 5 مينوت نصحح فيها هذه الخدمه ماذا بكم لي في التعليقات في حسابي على الفيسبوك غادي نخلي لكم ال... نعاود نخلي لكم رابط الحساب في صندوق الوصف الوغ ريكابيتولون تو سا اليوم شي تعلمنا اون افي ان تيست اون افي ان كونت je ça un conte. d'accord? Quel, quel est le type de ce texte? Yani, on appelle ça un texte narratif. narratif. d'accord? narratif, c'est-à-dire euh, l'auteur ici, il est en train de narrer. le le il est en train de narrer.

c'était la leçon d'aujourd'hui. Euh, on se retrouve dans une autre leçon, dans une autre vidéo. wa Wassalamu alaikum. On se retrouve dans une autre vidéo. Wassalamu alaikum.